Déjà effacé dans la mémoire de certains, mais qui vibre toujours intensément dans d'innombrables cœurs. Tous montent, à l'exception d'un père qui descend du couvent vers le village. Bonjour mon père. Bonjour. Et où allez-vous, petit bonheur? Votre promenade, mon frère. Bonjour mon père. Nous allons chez vos frères. Et moi dans ton village. Dans le village, il n'y a personne. Mais c'est le petit, mon père. Il a aujourd'hui 15 jours. J'ai l'impression que tu vas beaucoup mieux. Tout le monde est parti. Oui, parce que c'est la fête. Voyons un peu. Tu sais peut-être de qui c'est la fête? Oui, la fête de Marcelino. Non, ne t'en va pas, Nicolas. Sais-tu pourquoi on fête Marcelino? Toi, le sais-tu? Je l'ai oublié, mon père. Mais je sais qu'il y a une fête. Eh bien, je suis venu exprès pour vous le raconter. Vous croyez que c'est nécessaire aujourd'hui? Que c'est le moment? Oui, je crois. C'est une histoire? Oui. C'est une histoire pour les enfants et une histoire pour les parents. Voyons, Nicolas, tu dois la connaître. Tu es né ici, dans le village. Ton père te l'a sûrement raconté. Oui, oui, bien sûr, mais j'ai tout oublié. Eh bien, écoutez. Tu ne sais pas que notre pays, ce village où tu es né, cette maison dans laquelle tu vis était autrefois occupée par des troupes étrangères. Et à l'endroit même où aujourd'hui tous sont rassemblés,
Pour célébrer la fête, les derniers ennemis se réfugièrent, vaincus et battant en retraite, mais luttant opiniâtrement. Sur leur passage, ils brûlaient les maisons et les champs. Mais notre peuple se leva contre l'ennemi pour défendre sa patrie. La ruine du pays en fut la rançon. Mais tout valait mieux que la défaite. Les champs se recouvrirent de blé. Les arbres brûlés, desséchés, guérirent de leurs blessures. Les maisons démolies s'élevèrent à nouveau. Tout recommença à vigne. Il ne resta qu'une seule ruine. Celle d'un ancien domaine seigneurial perdu dans la campagne. Alentour, tout avait été reconstruit. Pourquoi pas cette demeure ? Peut-être tout simplement parce qu'elle appartenait à la municipalité. Quelques années plus tard, trois frères franciscains se présentaient devant le maire du village pour solliciter une faveur. Aujourd'hui, nous ne sommes que trois, mais si avec votre permission nous pouvions construire une maison là-haut, nous serions vite plus nombreux. Si toutefois vous croyez que notre œuvre puisse être de quelque utilité pour les habitants. Et par quels moyens espérez-vous y arriver ? Avec l'aide de Dieu et par notre travail. Je vous donne cette permission. Je crois que votre action sera des plus utiles. Faudrait qu'on réunisse le conseil. Ici, je commande. Dans ces ruines, j'ai perdu mon père. Et j'ai lutté 9 heures pour chasser l'envahisseur. Bien que conseiller municipal, il est maréchal ferrant. Et il ne sait parler couche-beau. Il va vous accompagner à ma maison. Là, on vous donnera quelques instruments de travail et aussi de quoi manger. Dans quelques semaines, je monterai pour vous voir et aussi pour jeter un coup d'œil. Dieu vous le rende. Maintenant que les gens d'ici ont reconquis leur pays, votre présence leur sera salutaire et les aidera à devenir meilleurs. Alors, venons. Que nous voulez-vous, à la fin, vous aider? Grâce à l'effort commun. À l'effort commun. Grâce à l'effort commun. Et les années passèrent. Le nombre des frères s'accrut. Ils étaient 12 maintenant. L'acharnement et l'amour qu'ils mettaient dans le travail leur permirent d'ériger une bâtisse non seulement solide, mais encore très belle.
un matin pareil à tous les autres matins, le frère portier eut une grande surprise. Un garçon, c'est un garçon. Je viens de trouver un enfant devant la porte. C'est un garçon, venez voir. La tête. Tenez, regardez, il est très beau. Je l'ai trouvé dehors. Je l'ai pris. Il s'est mis à pleurer. Que se passe-t-il? Le bon petit, que le Seigneur soit béni. Qui a pu le déposer ici? Vous disiez, mon cher frère, qu'il s'est mis subitement à pleurer. Pourquoi? Je sais pas. Je me demande ce que nous allons faire de lui. Ce bébé est magnifique. Défense d'y toucher. Il doit avoir faim. Pourrait-on lui donner? Pour le moment, de l'eau. Nous pourrions peut-être le garder, mon père. Voilà de l'eau. Est-ce qu'il avait faim? Mes frères, ne nous attendrissons pas outre mesure sur ce petit être. Nous autres ne pouvons rien ou presque rien faire pour lui. Mais si nous pouvons, avec la permission de votre révérence, nous pouvons en faire un chrétien, premièrement. Très bien. Et quel nom lui donnerons-nous, mon père ? Cela plairait-il à votre révérence qu'il reçoive le nom du saint de ce jour? Très bien. C'est la Saint-Marcelin. Et qui sera le parrain? Frère Francisco. Le soleil est déjà bien haut et nous sommes en retard. Je crois qu'il faudrait que ceux qui doivent se rendre dans différents villages tâchent de s'informer le plus discrètement possible. Premièrement, si un enfant nouveau-né n'a pas disparu de l'un des foyers, et s'il n'y a pas d'affolement pour ce motif dans l'un des villages. Deuxièmement, s'il n'existe pas une fille mère déshonorée et malheureuse à qui nos frères pourraient venir en aide et rendre l'enfant. À votre retour, nous aviserons. Où se trouvent les cuillères? Elles doivent être dans la cuisine. Avez-vous vu les cuillères? Au réfectoire. Pourtant, elles doivent bien être quelque part, ces cuillères. Mais en
enfin, où est donc passé frère Thomas? Il doit dormir. Toute la nuit. Bien. Nous allons nous débrouiller sans lui. Que manque-t-il? Des cuillères. J'ai trouvé les cuillères. J'étais sans le vouloir, mon père. Il ne cesse de pleurer. Il doit être malade. Et pourquoi serait-il malade? Parce qu'il pleure. Quand un enfant pleure, c'est parce qu'il a quelque chose. Quand il a quelque chose, c'est qu'il doit être malade. Quand il est malade, il pleure. Il est en train de pleurer. Ergo, il est malade. Mon frère! Bonsoir, mon frère. De la part de ma femme qui m'a dit, si tu passes par là-haut, remets ceci aux frères pour leur petit. Merci. Merci pour notre petit. Dieu vous le rende à elle et à vous-même. Au revoir, mon frère. Au revoir. Non, ne le serrez pas tant. Mon frère, c'est moi qui l'ai trouvé. Enfin, il sourit. Oui, oui, il sourit. Mais que je m'arrête un seul instant, vous verrez. Je crois, mon père, aussi longtemps que nous enquêterons avec discrétion comme votre révérence l'a décidé, nous ne découvrirons rien. La seule chose que je puisse affirmer, c'est qu'il ne manque aucun enfant dans les villages que j'ai visités. Du nouveau, enfin. Voulez-vous nous laisser seuls, mon frère? Grâce à Dieu, l'enfant est toujours ici. On n'a trouvé personne qui veuille nous l'enlever. Mes frères, les parents de Marceline n'existent plus. Ils sont probablement au ciel. Je suis bien content qu'ils soient au ciel. C'est ce que je voulais dire. Bientôt, cela fera 2 mois que cette petite créature vit ici avec nous. Mes frères, nous avons des obligations autrement importantes que d'élever des enfants. 12 frères accaparés par un seul bébé. Et nos obligations sont si nombreuses. Nous ne les négligerons pas, mon père. Il y a nos loisirs, mon père. Songez aussi aux privations auxquelles nous exposerions l'enfant si nous le gardons. Il a besoin d'une mère. Il faut que nous lui trouvions une famille. Une bonne famille, honnête, chrétienne, travailleuse. Une famille où, de préférence, il y aurait déjà des enfants. Papa. Que Dieu vous assiste. Je ne viens pas quémander aujourd'hui. Au contraire, je viens donner. Je vous écoute. Vous savez que nous gardons chez nous un enfant que nous élevons depuis 2 mois. Et dont nous avons cherché les parents, hélas, ils sont morts. Toi, Rock, tu es un homme vertueux. Et ta femme, une bonne chrétienne. Et tes enfants sont de braves garçons. Je regrette, mon père. Mais cherchez vous autres, notre enfant aurait une famille. Et toi, tu serais agréable à Dieu en faisant cette belle œuvre de charité. Le pain est rare. Et les bouches nombreuses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon frère. Vous mangerez bien avec nous. Non, merci. Je ne viens que pour vous poser une question. Mais oui, dites, mon frère. Aimeriez-vous avoir un enfant? Non, non, vous autres, vous n'avez pas à vous inquiéter. L'enfant est déjà fait. Oui, c'est l'enfant que nous avons au monastère. Quel pleurnicheur! Le pire qu'il y ait au monde. Nous n'avons pu fermer l'œil depuis qu'il est avec nous. Et comme il dévore, il ne laisse pour ainsi dire rien pour nous autres. Mais le pire, c'est quand il crie, il ne fait que crier. Il saute jamais. Ce n'est que quand il mange qu'il s'arrête un peu de gémir. Et Dieu t'aidera davantage. Je me débrouille tout seul. Tu blasphèmes.
Oh, pas de serment, mon frère. Je veux bien prendre le petit, après tout. Ah, imbécile! Je peux me permettre de nourrir une bouche de plus. Vous avez perdu la parole ou quoi? Eh bien, mon frère, allez-vous enfin me dire quelque chose? Tu n'auras pas l'enfance. Hé, hey, frère du diable! Que me voulez-vous alors? Je ne suis pas frère du diable. Je suis frère de Dieu. Et toi, tu es un homme injuste. Tu n'auras pas l'enfance. Vous avez bien fait. Et vous, mon frère? Eh bien, voilà. Je suis allé voir, eh bien, au bois. J'ai parlé à ce berger. Il n'a pas répondu, mais je l'ai appelé plusieurs fois. Mais vraiment, il ne peut pas. Non, il n'a pas pu. Vous faites allusion au berger qui vit tout seul et qui a 80 ans? Oui, c'est ça, c'est lui-même. Bien. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Mais à partir de maintenant, il y aura un nouveau frère chargé de trouver un foyer pour Marcelino. Moi. Agimus tibi gracias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in secula seculo. Amen. Entrez, mon père. Entrez, je vous en prie, vous et vos frères, je suis toujours prêt à vous voir. Ah, Emile, vous travaillez encore? Je suis très heureux que vous soyez venu. Asseyez-vous. Je viens de mettre le point final à un document qui vous intéresse tous. Avant de plier bagage, je voudrais légaliser cet acte. Au nom de notre conseil municipal, j'ai décidé de vous faire don du terrain et de l'édifice qui s'y trouve. Ceci, mon ami, équivaudrait à nous forcer d'abandonner le monastère, car nous ne pouvons posséder aucune propriété et ne devons vivre que d'aumône. Oh, je ne savais pas que votre règle était si sévère. Mais soyez persuadé que nous vous en remercions bien vivement et que nous ne vous oublierons pas dans nos prières. J'en aurais rudement besoin. Dites-moi, quelle est la raison de votre visite? Rosa! Allez-y, mon père, je vous écoute. C'est au sujet de Marcelino. Nous aimerions lui trouver une famille. Quel dommage. Je ne vaux plus rien. Je n'en ai plus pour longtemps. Mais laissez-moi réfléchir. Rosa! Dis donc, Rosa, combien d'enfants a ce Vargas, le meunier, tu sais? 6, monsieur. Service. Non, non, rien, rien, merci. Dieu vous garde. Demandez-le-lui, mon frère. Moi? Mon révérend père, avez-vous eu quelques succès? Presque. Une famille des plus honorables, ayant 6 fils robustes et bien élevés. Mais l'endroit ne réunit pas les conditions nécessaires. Difficultés hydrographiques. Marceline restera avec nous. Chacun de nous sera son père et sa mère. Nous ne chercherons plus et ne donnerons le petit à personne, à moins que le père provincial n'en décide autrement. Il sera frère comme nous le sommes. Je lui apprendrai la musique. Et moi à labourer l'atelier. Et moi à lire. Et moi à cuisiner. Mes frères. Et à prier. Lequel? Si personne n'y tient à moi, pouvons-nous disposer? Vous dormez, mon père? J'ai tout entendu. Comme vous, j'en suis bien aise, mon fils. Pouvez-vous venir, mon père? Je voudrais me confesser. Mes frères!
malin. Comment, que se passe-t-il? Notre maire est mourant, il demande à voir un prêtre. Que j'irai? Je crois qu'il faudrait prévenir le supérieur. Très bien. Les uns meurent, d'autres naissent. Ceux qui s'en vont, nous les avons connus. Nous savons s'ils étaient bons et honnêtes. Mais que peut-on savoir de ceux qui leur succèdent? Je suis bien content que notre nouveau maire soit un homme juste. Je le suis, vous pouvez être tranquille. Je me fais fort de remplir tous mes devoirs, mais aussi de faire respecter la loi dans son intégrité. Ah bien, Joséphine sans le vin, qu'on boive le verre de l'amitié. Prépare mon costume neuf. Je dois faire une visite. Expliquez pourquoi un de vos frères m'a offensé. Et vous me donniez le petit. Pourquoi? Parce que je suis capable de lui donner une bonne éducation. Et autrefois, vous me l'avez refusé. Je suis un honnête homme. Je ne permettrai à personne au monde d'en douter. De plus, maintenant je suis le maire. Et j'aimerais bien savoir... Tu aimerais savoir quoi? Si vous oseriez me le refuser encore une fois. Tu viens de le dire. Ainsi donc, vous me le refusez? Oui. Pourquoi? Je suis un voleur, un malfaiteur ou un assassin? Tu n'es rien de tout cela. Mais tu es un être injuste et orgueilleux. Je veux avoir l'enfant! Tu mens. Tout ce que tu veux, c'est satisfaire ton orgueil. Tu n'aimes pas cet enfant, tu ne t'inquiètes pas de lui. Ni de ce qui lui convient. Seulement, tu veux avoir raison. Et l'emporter sur nous. Tu n'auras pas l'enfant. C'est bon. Gardez-le donc avec vous, cet enfant. Mais pas ici. Ici, non! Vous êtes prévenu. Vous pourrez faire de lui ce que vous voudrez. Parce que ni lui, ni vous ne resterez ici. Je vous en donne ma parole. Signez maintenant. Notre ancien maire avait donné l'autorisation au frère sans l'accord de la municipalité. Je n'agirai pas comme lui. Signez ça. Notre ancien maire, sans permission ni signature, avait fait une bonne action. Et toi, pour faire du mal au frère, tu nous demandes de signer. Non, je ne signe pas. N'en parlons plus, si c'est comme ça. Un chêne séculaire change-t-il en 5 ans? Une muraille de pierre change-t-elle beaucoup dans le même temps? Non, n'est-ce pas? Mais comme un nourrisson peut avoir changé lorsque nous le revoyons 5 ans plus tard. À cette époque-là, Marcelino était devenu un garçon robuste et espiègle. Il avait donné un surnom à chacun des frères. Même entre eux, ils ne s'appelaient plus frère Thomas, frère Joseph, frère François, mais comme disait le petit, frère Malade, frère Porte, frère Bouilly, frère Cloche, suivant ce qu'ils les voyaient faire. Il était la joie de tous les frères, mais il leur donnait aussi beaucoup de soucis. Car bien qu'ayant un cœur d'or, il ne cessait de se livrer dans la cuisine, au réfectoire, au jardin, dans la chapelle, à de petites farces malicieuses qui faisaient le désespoir des frères. Mais chacun d'eux dissimulait aux autres ses polissonneries. Quelle était sa vie? Que faisait le petit Marcelino parmi les 12 frères? Eh bien, je vais te conter une journée quelconque de cette vie. C'est comme une chanson. Rêve, rêve, Marcelino, tu t'éveilleras bientôt.
les cadres. Vite, vite. Quelle absurdité. Que votre règne arrive. Le règne arrive. Ah, je veux bien, mon frère. Ce chariot ne vaut plus rien. Elle est passée ? Oui, mais nous allons la réparer tout de suite. Et alors j'ai rencontré frère Bouilly et puis tous les autres frères. Tu n'as pas de père ? Si, j'en ai 12. 12 ? Et ta mère ? Je n'en ai pas une seule. T'as une mère ? Toi ? Oui, j'ai 2 garçons. Le plus grand est comme toi. Manuel ? Manuel ! Manuel ! Marcelino ! Je viens ! C'est frère Bouilly, tu sais ? Adieu ! T'es très belle ! Manuel ! Voyons, tu n'as pas entendu le sifflet de frère malade ? Que se passe-t-il ? Alors voyons, assieds-toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une lettre bien facile, la plus facile de toutes. Je suis sûr qu'elle te plaira beaucoup. Elle s'appelle O. Elle est toute ronde, comme la roue d'un chariot. Regarde. Aujourd'hui, j'ai vu une mère. Où ça ? Là-dehors. Elle t'a plu ? Oh oui. Manuel ! Je viens, maman ! Qui est-ce ? Manuel. Et qui est Manuel ? C'est son fils. Comment est-il ? Comme moi, elle me l'a dit. Tu ne l'as pas vu ? Non. Pourquoi la lune, elle est grosse, puis elle est maigre ? Parce que... Eh bien, parce que... La lune est toujours la même, Marcelino. Ce qui change, c'est la partie qui... Tiens, regarde. Le soleil qui brille illumine... Enfin, tu es trop petit pour bien comprendre comment ça se passe. Mais c'est comme je viens de te le dire. Ce que nous voyons, c'est la partie qui illumine le soleil. Est-ce que tout le monde a une mère ? Oui, bien sûr. Toi, moi,
Et aussi le Père Supérieur. Et aussi le Père Supérieur. Nous tous, Marcelino. Nous tous. Où elle est la mienne? La tienne est au ciel. Elle était belle? Sûrement. Elle était très belle. Ici, Manuel. Ça, je l'ai fait malade, c'était une médecine. Ça, c'est une patte de poule. C'est Frabouillet qui me l'a donnée. Et cette corne, elle est jolie, hein? Ça, je l'aime bien. C'est un cadeau du gendarme. Ça vaut très cher. Tous les jours, Manuel. On s'amusera bien. Avec qui parle Marcelino? Avec Manuel. Qui est Manuel? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir. Viens, Manuel. Nous allons vider tout ça par ici. Nous deux, on va s'amuser à construire. Avec qui parlais-tu tout à l'heure? Avec Manuel. Ah, Manuel. Oui. C'est ton ami? Et lui parle aussi avec toi? Hein? Bien sûr que oui. Et vous jouez parfois tous les deux avec ce ballon? Non, pas au ballon, mais tous les autres jeux. Oui. Cet escalier. Jamais tu ne monteras là-haut par cet escalier. Jamais. Tu m'as compris? Jamais. Je ne
crois pas qu'il soit bon de faire peur aux enfants, mon frère. Personnellement, je pense qu'il serait bon qu'il ait peur de quelque chose. Qu'il soit dehors au lieu de rester dedans. Que peut-il lui arriver dehors? Plus qu'il reste dedans. Je pense que puisqu'on lui a dit de rester dedans, il n'a pas resté dehors, mais dedans. Il ne peut pas rester tout le temps avec nous. Il doit rester dedans et non dehors, parce que dehors, il peut lui arriver des choses qui ne lui arriveront pas dedans. Vous croyez, mon frère, que Marcelino est une mauviette? C'est un garçon comme les autres. Il a besoin de courir, de se dépenser. Mais s'il lui arrive de... Que peut-il lui arriver? Il aura bientôt 6 ans. Il est temps de lui faire connaître le monde. Pourquoi ne pas l'emmener, mon frère, avec vous au village? Dans une semaine commencent les fêtes de la grande kermesse. Ce sera une chose à essayer. Ça va le fatiguer beaucoup. Oui, oui. Il risque de se fatiguer beaucoup. Doucement, Manuel. Marcelino, veux-tu me passer l'eau, mon enfant? Ça vous fait mal, frère malade? Un petit peu. Et si je vous donne un baiser là où vous avez mal, peut-être que ça passerait? Sûrement, Marcelino, sûrement. Eh bien, donne-le-moi. Tu vois, je n'ai plus mal du tout. Du tout? Mais non, mon fils, c'est fini. Maintenant, tu peux aller jouer. Adieu. Fais-tu sortir de là tout de suite? Voilà donc l'éducation qu'on donne chez les frères, petit démon. Je vais régler ça en 5 minutes. L'État m'a mis cette petite vermine. Pardonnez-lui, monsieur le maire, ce sont des jeux d'enfants. Des jeux d'enfants, hein? Et comment se fait-il que vous permettiez à ce gosse de devenir un sauvage? Qu'est-ce que vous lui enseignez, dites-moi? Et à quoi ça lui a servi d'avoir tant de frères à ses côtés? Tâchez de vous calmer, ne criez pas si fort. Nous ne sommes pas sourds. Oui. Il vaut mieux que je me taise. Avec vous autres qui n'êtes même pas des hommes, mieux vaut ne pas parler. Votre robe vous protège. Et où est donc votre supérieur? Appelez-le pour qu'il voie comment ce sale petit garnement traite le maire du village.
Écoute, frère Bouilly. Oui, mon petit. Comment qu'on va au ciel? Oh, Sainte Vierge, oh mon Dieu. Calme-toi, mon fils, calme-toi. Oh, pauvre petit âge de dormir.
Je voudrais savoir si quelqu'un de vous refusera encore de signer, comme l'autre fois. C'est une perte irréparable pour notre village, pour toutes nos fêtes si fameuses dans la région.
Tout le monde va savoir maintenant que dans ce village, il n'y a point de sécurité. Et si les frères payaient tous les dégâts? Les dégâts, c'est moi qui les paierai s'il le faut. Où voulez-vous qu'ils trouvent l'argent, tous ces mendigots? Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce que je déplore surtout, c'est le scandale. Ça demande réflexion, Pascal. Eh bien, réfléchissez. Vous me trouverez ici à 5 heures cet après-midi. Stéphane. Et dis donc, il est bien possible que j'ai besoin tout de suite de cette somme que tu m'as empruntée. Comment? Tout de suite? Tu veux dire que tu n'es pas en mesure de me payer? Mais te dresser contre ma volonté, ça tu le peux. Ils ont fini par signer les pleutres. C'est pas trop tôt. Tu vois, je suis un homme juste. Je leur ai donné un mois de préavis pour qu'ils s'en aillent. Quoi? Ce que je fais n'est jamais à ton goût. Je le sais. Tu ne trouves jamais bon ce que je fais. Mais le pain que je te donne à manger, oui! Les ordres sont les ordres, mon père, mais celui-ci en est un qui... Ah, croyez-moi, ça n'est pas de bon cœur que je m'y soumettrai. Ne t'inquiète pas. Je t'assure que lorsque viendra ce jour fatal, personne n'aura à venir chasser les frères d'ici, parce qu'ils partiront de bon gré. Mais nous partirons ce jour-là, pas avant. Si jamais nous pouvons faire quelque chose... Nous ne pouvons espérer en personne, sinon à celui qui est à même de changer le cœur des hommes, aussi puissant qu'il soit. Et quant au petit, ne vous tourmentez pas. J'en ai déjà parlé à ma femme. Elle veut bien qu'il vienne chez nous. Et alors, je vous garantis d'en faire un gendarme de premier ordre. Va avec Dieu. Il nous reste un peu de temps. Tout s'arrangera. Non. Si jamais il bouge, on se sauve en courant. Attention, je suis.
viens, attends-moi. À quoi bon peiner tant, puisque nous n'allons rien en recueillir. Nous autres, non. Mais quelqu'un en bénéficiera, mon frère. Seul le Seigneur peut interrompre notre labeur. Nous devons continuer. Marcelino. Aujourd'hui, je t'apporte du pain et du vin. Je ne sais pas si tu l'aimeras,
Mais les frères disent que ça réchauffe. Tu pourrais pas descendre, toi, et venir manger ici? Benedit Domine nos, et avec toi dona qua de tua logitatissimum sum tui, per Christum Dominum nostrum. Amen. Les petites fleurs du glorieux Saint François d'Assise et de ses frères. Chapitre 8e. Comment Saint François à frère Léon expose à ces choses qui sont joie parfaite. Venant une fois, Saint François. Venant une fois, Saint François, de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges, avec frère Léon en temps d'hiver, et le froid grandissime fortement le tourmentant, appela frère Léon, lequel allait devant, et dit ainsi. Frère Léon, quand les frères mineurs en toute la terre donneraient grand exemple de sainteté et de bonne édification, néanmoins, écris que là n'est point joie parfaite. Et allant Saint François plus avant l'appela seconde fois. Ô frère Léon, quand même le frère mineur illuminerait les aveugles et redresserait les contrefaits, chasserait les démons, rendrait l'ouïe aux sourds et le marcher aux boiteux et le parler aux muets, et ce qui est plus grande chose, ressusciterait les morts de 4 jours, écrit qu'en cela n'est point joie parfaite. Je m'appelle Marcelino Panivino. Chut, voyons, tais-toi, Marcelino. Et allant Saint François encore un peu, cria fort. Ô frère Léon, si le frère mineur savait toutes les langues et toutes les sciences et toutes les écritures, et s'il savait révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des esprits.
monté voir si t'avais peur. Et toi, Marcelino, as-tu peur? Moi, oui. Viens vers moi. À présent, le tonnerre va éclater. Maintenant, ça m'est égal. Parce que j'ai froid. Mais tu en as déjà une, comme tout le monde. Peut-être, mais j'ai froid. Votre soupe, mon père. C'est meilleur quand c'est chaud. Oui, c'est meilleur quand c'est chaud. Marcelino! 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 Marcelino, qu'as-tu fait de la couverture? Allons, allons, dis-moi vite ce que tu en as fait. Je sais pas. Écoute, Marcelino, Frère Bouilly t'aime beaucoup. Mais si tu mentais à Frère Bouilly, ce serait une chose terrible. Nous sommes de bons amis et tu dois être sincère avec moi. Ce soir, je veux voir l'autre couverture dans ton lit. Sinon, je serai obligé de tout dire au père supérieur. Bonjour. Voici la couverture, Marcelino. Je n'ai pas froid. Alors je vais vite la rapporter. Voilà la couverture. J'ai pas froid. Marcelino! 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 Viens voir. Regarde la jolie grenouille que je viens d'attraper. J'en veux pas. Comment? Se fâchèrent et se partirent avec grand courroux. Et voici que Saint-François revint du dehors avec le sac de pain et avec un petit vase de vin que lui et son compagnon avaient mendié. Et lui racontant le gardien comment il avait hisse chassé, Saint-François fortement le reprit, lui disant « Tu t'es comporté cruellement pour ce que les pêcheurs mieux se ramènent à Dieu avec douceur qu'avec cruelle répréhension. » dont notre maître Jésus-Christ, duquel nous avons promis d'observer l'évangile, dit que point n'est besoin du médecin au bien portant, mais au malade, et qu'il n'était point venu appeler les justes, mais les pécheurs à pénitence. Et pour ceux, souvent de foi, mangeait-il avec eux. Il est bien seul. Il lui aurait fallu un ami. Un ami, j'en ai un déjà. Oui, vous savez bien mon père, c'est ce Manuel, un garçon comme lui seulement. Vous savez, des histoires d'enfants. C'est vous, mon frère, qu'il connaissait mieux qu'aucun de nous. Vous devez sûrement avoir remarqué sa singulière conduite depuis quelques jours. Toute la communauté est très préoccupée au sujet de Marcelino. Nous devons éclaircir cette question au plus tôt.
garçon est un ange. Je sais, mais ce changement est bien inquiétant. Je me demande si l'heure n'est pas venue de nous séparer de lui. Nous séparer de lui? Oui, mon frère. Il se peut qu'il soit malade sans que nous en sachions rien. Malade, mais il se porte comme un charme. Non, mon frère, je veux dire malade de solitude, de nostalgie, du manque d'amis de son âge. Voyons, vous savez de lui beaucoup plus qu'aucun de nous. Sans votre aide, je ne vois pas ce que nous pourrons faire. Soit, mon père. Depuis un certain temps... Asseyez-vous, frère Thomas, asseyez-vous. Il me rend fou. Ça fait plusieurs semaines déjà que disparaissent des denrées de la cuisine. Tantôt du pain, tantôt de la viande ou du poisson. Le vin dans la cave a diminué sensiblement. Le vin? Oui, mon père. Même le vin. Deux ou trois cruchons se sont volatilisés. Et c'est le petit, j'en suis sûr. Mais c'est extrêmement grave, frère Thomas. Je me demande ce qu'il peut bien faire de toutes ces choses, puisqu'il mange bien au repas. En désespoir de cause, j'ai mis tous les aliments hors de sa portée. Bien à tort. J'aurais dû vous en parler avant, mon père. Pardonnez-moi. Non, ce qui est fait est fait. Je crois seulement que vous avez eu tort de mettre les aliments hors de sa portée. Il vaut mieux que vous fassiez en sorte qu'il puisse s'en emparer facilement et ensuite... Suivez-le. Il importe que nous sachions ce qu'il en fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et Marcelino. Silencieux. À quoi penses-tu, Marcelino? Dis où elle est ta mère maintenant? Elle est avec la tienne. Et qu'est-ce qu'elles font, les mères? Elles donnent, Marcelino. Elles donnent toujours. Elles donnent quoi? Elles donnent tout. Elles se donnent elles-mêmes. Elles donnent à leurs enfants toute leur vie et la lumière de leurs yeux, jusqu'à ce qu'elles deviennent vieilles et ridées. Et laides? Non, Marcelino. Les mères ne sont jamais laides. Je m'en vais, on nous appelle. Et toi, t'aimes beaucoup ta mère? De tout mon cœur. C'est comme moi la mienne. Vous n'allez tout de même pas vous laisser berner par un enfant, mon frère. Vous devez absolument aller jusqu'au bout pour essayer de le surprendre en flagrant délit. Et que lui dire alors? Rien, ne dites rien. Vous m'apprendrez ce qui s'est passé et j'aviserai.
Tu as été très bon, et je voudrais en récompense te donner ce que tu désires le plus. Dis-moi, veux-tu être un frère comme frère Bernard, comme frère Mouni, ou le père supérieur? Préfères-tu que Manuel vienne rester avec toi? Je voudrais seulement voir ma mère. Et j'aimerais voir la tienne aussi. Et tu veux les voir tout de suite? C'est ça, tout de suite. Il faudrait dormir. Mais je n'ai pas sommeil. Viens. Je t'endormirai. Oh, je... de la région entière accourut au couvent à l'annonce du miracle. Depuis ce jour, chaque année avec son maire en tête, le village se rassemble là-haut pour célébrer le miracle de Marcelino, Pane Vino. Thank you.